Formale italienne, c'est un programme de résidence créé par la ville de Lille. Et pendant un an, des artistes vont se succéder, 3 mois durant, dans un atelier à Rome pour mener un projet de recherche important pour leur pratique artistique. Cette 12e édition, elle a rassemblé 4 artistes qui s'appellent Lise Le Richon, Vir André Serra, Sylvain Cognelli et Manon Thiriot. Pendant un an, donc, ils se sont succédés dans un atelier à Rome, chacun 3 mois, sans jamais se croiser. Et aujourd'hui, on ouvre l'exposition de restitution de cette résidence où ils et elles présentent les œuvres sur lesquelles ils et elles ont travaillé pendant cette année. Donc les 4 artistes ont des pratiques à première vue extrêmement différentes et ils investissent des médiums très variés comme la peinture, la vidéo, la gravure, l'installation, le travail du bois comme la marqueterie, mais aussi des éléments comme les stickers que vous pouvez retrouver au sol ou des objets qui sont agrégés pour former des petites installations. L'exposition elle s'appelle Habite et le trouble parce que chacune des œuvres qui sont présentées ici sont des fenêtres vers des espaces de vie, des espaces habitables que l'on peut choisir d'ouvrir ou pas et dans lesquels on peut découvrir des relations, des personnes, des objets qui sont dans le champ ou dans le hors-champ de tous ces paysages.